Eh bien, l'aspect est vraiment très positif, puisque bon, aujourd'hui, l'accompagnement qui m'a été fourni par WhatSoft par le biais de Romain et AltoSpam par le biais de Enzo et Jean-Christian principalement, fait que bah, moi aujourd'hui, j'ai pu implémenter la solution très facilement, qu'à la moindre question, bah, ils sont très réactifs pour me répondre. Et c'est vraiment très important d'avoir de la réactivité. C'est ce que nous demandent aussi nos clients derrière, d'avoir des réponses rapides. Donc le fait qu'on ait des partenaires qui, comme WhatsApp et AltoSpam derrière, me répondent très vite, pardon, et ben ça me donne entièrement satisfaction dessus. Alors nous, par le passé, on avait une solution qui était hébergée dans notre data center, qu'on pouvait vendre à des coûts pas très élevés aussi. Donc nous cherchions, pour remplacer cette solution devenue obsolète, quelque chose qui nous permettrait de rester dans le même coût tarifaire pour nos clients, chose que nous avons trouvée donc avec AltoSpam, qui, tarifairement parlant, a été important. Côté protection, nous voulions quelque chose qui n'était pas non plus trop intrusif. Et AltoSpam répond parfaitement à cette solution, parce qu'il n'y a pas de catch pas, il n'y a rien du tout. Donc c'est très intéressant d'avoir ce type de solution qui n'est pas du tout intrusive et qui nous permet en plus de faire un filtrage comme on le souhaite derrière. Est-ce qu'on veut les pubs, est-ce qu'on veut pas les pubs? On sait que tout ce qui est virus en plus est bien bloqué. Donc dès les instants où j'avais pu tester la solution, c'était un produit qui m'a fortement intéressé et qui aujourd'hui intéresse aussi mes clients de leur côté. Alors oui, comme précisé tout à l'heure, on voulait vraiment quelque chose qui voulait nous donner un choix, par exemple au niveau du blocage des publicités ou non, puisque certains clients souhaitent les avoir, d'autres ne souhaitent pas les avoir du tout. Et AltoSpam répond parfaitement à cette demande, puisqu'il nous demande à l'installation si on veut le faire, et même plus tard, si on veut ou les désactiver ou les réactiver, on peut le faire également. Donc c'était un besoin que certains de nos clients nous avaient demandé, donc qui pour moi est une fonctionnalité très importante. Autre fonctionnalité très importante également dans le choix qui nous a, enfin dans notre choix de venir avec travailler avec AltoSpam, c'est ce mail de synthèse quotidien que l'on peut avoir sur tous les rapports de mail bloqués, et que tous ces faux positifs bah, peuvent être débloqués directement par l'utilisateur dans sa boîte mail sans que nous on puisse intervenir derrière. Donc c'est vraiment deux caractéristiques très importantes, et bien évidemment chaque liste blanche ou liste rouge pour chaque utilisateur, qui sont aussi très importantes. Pareil, comme précisé tout à l'heure, il n'y a pas de CAPTCHA avec AltoSpam. Toutes les autres solutions que j'avais pu tester au préalable en ont forcément un, ou le fait de devoir rentrer un code pour bien dire que c'est bien nous, machin. Il n'y a pas ça avec AltoSpam, et aujourd'hui c'est très important. Mes clients cherchaient à avoir de la transparence envers leur anti-spam, pas être dérangé, et AltoSpam répond parfaitement à cette demande, puisque bah, il n'est pas du tout intrusif, hormis le mail de synthèse quotidien qu'on peut recevoir ou ne pas recevoir, au choix des utilisateurs également, bah, ça fait qu'il est quasi transparent. Donc c'est vraiment très important, c'est ce que me demandaient mes clients, et j'ai pu répondre à cette demande grâce à AltoSpam. Bah, l'implémentation s'est très très bien passée. Romain de chez WhatSoft m'a accompagné du début jusqu'à la fin. Et encore aujourd'hui, si j'ai besoin, me répond à mes questions. Donc ça s'est très bien passé, pas eu de soucis particuliers. En cas de besoin, j'avais aussi le support direct d'AltoSpam qui m'a énormément aidé. Du fait qu'en plus, c'était ultra rapide parce que bah, la réactivité est présente des deux côtés. Donc, il n'y a pas eu de défi particulier à relever. Et WhatSoft m'a extrêmement bien aidé là-dessus. Et je remercie bien évidemment Romain, qui est en charge d'AltoSpam chez WhatSoft, d'être présent au quotidien si j'ai besoin. Alors oui, on va essayer de l'implémenter dans la majorité de nos clients. Les facteurs qu'on va mettre en avant, bah, c'est aujourd'hui tout ce qui va être l'aspect cybersécurité. Certains de nos clients, par le passé, se sont fait cryptologuer à cause d'un mail frauduleux, par exemple.
Donc avoir un anti-spam performant comme AltoSpam derrière, ben, ça va mettre un gros appui envers la décision que prendront nos clients derrière pour mettre en place cette solution. Puisque ben, ils n'ont pas envie de repères de plusieurs jours de travail quand il faut qu'on refasse toute l'infrastructure. Donc c'est un gros point qu'on va mettre en avant, c'est que niveau cybersécurité, ben, il faut vraiment avoir un anti-spam. Donc oui, on va essayer de le mettre en place chez tous nos clients.